Bientôt, là, je suis là pour les rencontrer. Si j'effectue ces déplacements, c'est pour plusieurs raisons. Je crois parmi les raisons, d'abord, c'est trouver ce réconfort, d'abord, moral. C'est un état de choc généralisé. Je crois personne, je dirais alors, personne n'est d'accord avec cette mesure qui est tombée, alors qu'on ne vient que de commencer nos activités il y a juste 2 mois. Et je vous rassure que personne, et alors personne, n'est tombé d'accord à cette mesure qui n'a pas sa place actuellement. C'est ainsi que si nous sommes là, nous voyons au-delà même de cette mesure de suspension. C'est pour nous aussi, comme on le dit, faire d'une pierre 2 coups. On vient là aussi pour rencontrer nos autorités, ceux-là qui nous ont donné le pouvoir, d'essayer un peu de mettre leurs mains sur la pâte, et des fois aussi essayer un peu de résorber un peu toutes ces difficultés-là que nous traversons, surtout sur le plan sécurité. Vous pouvez interroger quel est ce jeune, par exemple, à Bumba, soit qui fait beaucoup de bruit, qui a par exemple, qui dispose d'un champ. Un champ soit de riz ou de maïs, d'arachides ou de manioc. Ils n'ont pas ça. Plus personne ne produit. Alors, il y a le groupe là que je vois plus dans les réseaux sociaux, Bumba Liswamonga là par exemple. Vous voyez ce qui se passe là? Non, ça fait la honte. C'est-à-dire, on ne sait pas être ensemble, on ne sait pas mettre ensemble de l'intelligence, on ne sait pas capitaliser ses énergies pour le développement, mais du moins, on s'est réunis pour attaquer, pour injurier, pour critiquer. Non, là, nous devons recommencer à zéro. Nous devons mettre tout le monde au travail. Nous devons créer un réseau d'abord local, nous devons créer un réseau national, pourquoi pas un réseau international au niveau de la diaspora. Parce que si tous les fils ressortissants de Bumba, qui se trouvent par exemple à Kinshasa, devaient être unis et mis au travail pour le développement de leur terroir. Moi, je pense que cette question de sécurité, ce sont des petits problèmes qu'on peut rapidement le balayer et revivre nos bonnes habitudes et d'antan. C'est vrai que la jeunesse ne s'intéressait pas du tout À la politique. à la politique. Mais aujourd'hui, là, ce qui nous a surpris, c'est cette jeunesse-là qui est plus emballée dans cette politique et en dehors de la politique, il n'y a plus rien. Alors qu'il y a plusieurs opportunités qu'on peut toujours saisir pour développer le territoire de Bumba sans passer par cette politique. Maître, nous sommes vraiment en train de chuter parce qu'il nous reste très peu de temps. Mais aujourd'hui, par exemple, quelle est la situation socio-économique de Bumba? J'ai appris personnellement que la vie est devenue extrêmement difficile à Bumba. Quelles en sont les raisons, d'abord? Et quels en sont les responsables? C'est-à-dire, est-ce que c'est la communauté rurale? C'est la diaspora et de manière ramassée, parce qu'on est arrivé à la fin, que peut-on faire pour aujourd'hui Merci. Sur le plan économique, je dirais c'est déplorable. C'est vraiment malheureux. Lorsque, autrefois, Bumba Lipopomoke, comme on le disait, ces grands greniers agricoles, aujourd'hui, les gens dorment affamés, où il y a des cas de malnutrition. Là, ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues. Et tout ça parce que, je l'ai dit, tout le monde est devenu fainéant. Tout le monde court derrière la politique. La politique est devenue aujourd'hui très chargée. Donc on ne produit plus à vous. On ne produit presque pas. Le villageois, très découragé, n'a pas de route. Ça, c'est un aspect important. Parce qu'une fois nous avons des routes, je crois que ça va essayer de. On s'est acheminé les. Voilà, les produits. Et là, vous allez voir quand même, les gens vont se remettre au travail. Mais quand il n'y a pas de route, et le villageois qui leur dit, mais je dois faire ces champs pour gagner quoi? Ça aussi, ça devient un Donc problème. Les villages, pardon, c'est vide alors. C'est vide. Tout le monde préfère venir au centre-ville. Tout le monde aujourd'hui. Vous savez, Bumba aujourd'hui, quand je vous dis, avec une population de 1 600 000, nous sommes à Bumba. Alors qu'autrefois, ce n'était pas comme ça dans l'ensemble du territoire. Et dans Bumba Centre, plus de 300 ou 400 000. Là, ce n'est pas facile. Et tout ce monde-là, ils fouillent les villages parce qu'ils sont découragés. Ça aussi, c'est un aspect important. Ce qui est encore malheureux, cher Elie, est-ce qu'on pouvait imaginer aujourd'hui vos poulets de Kinshasa venus de l'étranger ou vos vifs frais là que vous appelez les pioudes, soit aujourd'hui à la base de l'alimentation par exemple à Bumba? Ne me dites pas et ça. Pourtant nous avons notre fleuve, nous avons nos poissons et on ne sait pas se remettre par on exemple mange à la pisciculture. À Bumba oui, les Thompson, vous savez, ce sont les Thompson là ou les poulets là qui aujourd'hui essaient quand même d'aider, de contribuer, je dirais vraiment à un pourcentage. Plus? Non, quand je dis tout le monde est devenu fainéant, tous ces aspects-là, il y a l'agriculture, on ne s'adonne pas.